Demander à un juriste, qui plus est, plus tout à fait jeune, de disserter sur le thème de l'objectivité, c'est soulever en lui toutes sortes de questions qu'il a charriées avec lui, surtout lorsqu'il s'est posé un certain nombre de problèmes vaguement théoriques depuis un certain temps, qu'il a charriées avec lui toute sa vie. Alors, cette conférence que je vais faire devant vous aura certainement et délibérément un petit caractère d'auto-analyse ou d'auto-critique. Mais je ne voudrais pas faire d'histoire personnelle. J'ai pris le parti, c'est peut-être pas tout à fait conforme avec l'esprit de vos journées, j'ai pris le parti, ce thème de l'objectivité, de l'historiciser. Je crois que le mot même d'objectivité, chacun le voit, le sent, le perçoit, est un mot amphibologique qui peut désigner diverses choses, selon que l'on parle de l'objectivité du droit, ce qui n'est pas le cas de mon propos. Le droit est objectif, on ne sait trop comment il l'est, mais il l'est. Il y a une facticité du droit. Ce dont il va s'agir ici, c'est de l'objectivité du discours, c'est-à-dire de la capacité du juriste savant, comme on dit désormais assez volontiers, à saisir le droit comme une chose, ainsi que l'a dit le grand Durkheim dans une formule si souvent répétée et si mal comprise, parce qu'on a l'habitude de dire que quand Durkheim a prononcé cette phrase, il employait une métaphore, c'est pas une métaphore du tout. Il pensait que le droit est une chose et que les faits sociaux sont des choses et que c'est la raison pour laquelle il faut les traiter comme des choses parce qu'ils sont... Le droit est-il une chose ? Il est évident qu'il n'en est rien. Et si l'on... Il est évident qu'il n'en est rien. Enfin, s'il faut le préciser... Pour les non-juristes, les malheureux non-juristes qui sont présents dans la salle, il est évident que le droit est composé de normes, du moins c'est évident, c'était à peu près couramment répandu chez les juristes, et que la norme ayant pour principale caractéristique d'être un jugement, ce jugement dépend de celui qui le porte autant que de celui qui a posé la norme. En d'autres termes, le droit n'est pas objectif. Et devant cette exigence d'un discours objectif, à propos d'une chose qui n'est pas objective, je le répète, je l'ai dit au début, je crois que c'est quelque chose dont il faut sans doute partir, il y a eu, en France et à l'étranger, divers regards, diverses réponses ont été apportées à cette question de l'objectivité. Je dirais pour commencer que le terme même d'objectivité, peut-être... Est-ce que je vais un peu trop vite en besogne ? Mais je crois que le terme même d'objectivité n'a fait son apparition dans le langage des juristes qu'assez tardivement. Il me semble que dans les premières années de la science juridique française et étrangère, je crois qu'il faut aussi, lorsque l'on porte un regard sur ce type de problème, se garder de toute... de tout franco-centrisme. Il y a, dans le regard porté sur cette question, il y a eu une évolution. Je veux dire que, dans un premier temps, ce qui a préoccupé les juristes français, comme les juristes anglais d'ailleurs, c'est qu'en est-il, au juste, de... l'art du juriste. Comment le juriste appréhende-t-il la chose droit ? Et si l'on regarde l'histoire de France, comme aussi bien l'histoire des systèmes juridiques étrangers, on s'aperçoit que cette question, donc formulée en ces termes simples, de quelle façon le juriste appréhende-t-il la chose droit ? On s'aperçoit que cette question... Diverses réponses, je le répète, ont été apportées, et que ces réponses sont globalement tributaires de deux facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est, je le dirais de manière
toute simple, l'histoire politique. Il me semble qu'il y a une relation étroite entre l'histoire du concept d'objectivité et l'histoire politique. J'apporterai peut-être tout à l'heure un essai de vérification expérimentale à cela. Mais je voudrais commencer par un autre facteur de variation. C'est la nature du système juridique. Je crois très profondément, peut-être est-ce nécessaire de le dire d'emblée, que le juriste français, attaché qu'il est aux codifications, à l'idée que le droit passe par une législation écrite, que le droit passe par des codes, n'a pas le même regard sur le droit et par conséquent ne se pose pas de la même manière la question de l'hypothétique objectivité du juridique que le juriste anglo-saxon, ou disons le juriste de tradition de common law. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage récent qui est déjà très connu, et il est connu sans doute parce qu'il est un regard de non-juriste porté sur la chose droit. Je veux parler du livre de Bruno Latour qui est consacré à la fabrication de la jurisprudence administrative et qui s'appelle « La fabrique du droit » qui est paru en 2002 et qui est sous-titré « Ethnographie du Conseil d'État ». Dans ce livre, Bruno Latour préconise une méthodologie qu'il appelle une méthodologie internaliste radicale, c'est-à-dire qu'il pense que pour rendre compte du droit qui se fait, il faut être dans la machine, il faut être dans la fonderie, il faut être dans l'usine. Mais Gwenaëlle Calvez a écrit quelque chose de très intéressant à propos du livre de Bruno Latour, en disant que si Bruno Latour disait une chose de cette nature, et s'il a écrit ce livre donc avec ce point de vue interne absolu, je reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps sur cette idée de point de vue interne que je trouve erroné, bon, peu importe, c'est qu'il se comporte comme un juriste anglais. Je veux dire que pour un juriste anglais, et comme Bruno Latour, étudiant le droit administratif, qui par lui-même est essentiellement un droit jurisprudentiel, donc un droit qui s'apparente à certains égards au droit anglais, Bruno Latour porte un regard de juriste de common law sur le droit anglais. Et il est clair que dans un système de common law, la question de l'objectivité ne se pose pas exactement de la même manière. C'est probablement pour cette raison, je le dis en vous parlant en ce moment, l'idée me vient en vous parlant, c'est probablement pour cette raison que c'est un juriste de common law, à savoir Herbert Hart, qui a eu cette idée, somme toute assez saugrenue, et qui, quand on l'expose de manière simple à un public averti, comme vous l'êtes, de distinguer entre le point de vue interne et le point de vue externe, en disant que tantôt il faut étudier les règles en se mettant à la place de ceux qui les appliquent, et tantôt doit-on étudier les règles d'un point de vue externe. Cette sorte de distinction entre le point de vue interne et le point de vue externe ne peut venir à l'idée, à mon avis, que d'un juriste de common law. Elle ne serait probablement pas venue à l'esprit d'un juriste de droit écrit, même si j'y reviendrai certainement tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas que je lasse l'auditoire déjà peut-être un peu perturbé. J'y reviendrai tout à l'heure à propos de cette distinction, précisément. Donc, premier facteur dans le regard porté sur la question de l'objectivité, l'appartenance à un système juridique de common law ou un système juridique de droit écrit. S'agissant du second facteur, j'appelais ça l'histoire politique, je crois très profondément. Ça, c'est une idée qui m'est apparue depuis longtemps et que j'aimerais tester auprès de vous. Je crois d'abord qu'il n'y a pas de regard objectif en matière juridique, mais je crois que l'absence plus ou moins grande ou la présence plus ou moins grande d'objectivité dépend de la conjoncture politique. Il est frappant de constater, en effet, que si on se reporte un siècle ou deux en arrière, la science juridique française ne se pose pas le problème de l'objectivité. Je veux dire que les juristes français qui ont
suivit immédiatement la codification, c'est-à-dire pour l'essentiel des auteurs de thèse. Pour eux, il est clair que le droit est un fait social, mais que ce fait social imbibé qu'il est dans la réalité économique, sociale et politique ne peut être l'objet que d'une recherche interdisciplinaire, comme on ne le dit pas encore à l'époque, mais comme le dit déjà en 1833 Henri Kimrath, auteur d'une thèse qui est peu connue, mais qu'a exhumée il n'y a pas longtemps André Jean Arnaud, enfin s'il y a un certain temps quand même, écrit ceci: « Science historique, philosophique, politique, économique, il n'en est pas une qui ne trouva dans le droit son complément en même temps qu'elle l'éclairerait de leur lumière. » Ça, c'est écrit en 1833. Autrement dit, au lendemain du Code civil, les juristes français, il n'est pas seul dans ce cas, pratiquent ce qu'aujourd'hui ils ne pratiquent pas, ou qu'ils ne pratiquent que très rarement, qui porte un nom sur lequel je reviendrai parce qu'il me semble, après y avoir longuement réfléchi, que finalement il n'est pas très bon, il pratique quelque chose comme une interdisciplinarité. Je crois que cela tient au fait que nous sommes dans une période de constitution du droit, de fabrication du droit, et que nous sommes en pleine période de contestation de l'école de l'exégèse aussi, et que dans ce climat général de fabrication d'un droit civil autonome et de contestation de l'école exégétique, il est presque naturel de tenir ce type de langage. Puis viendra la Troisième République, je saute les étapes historiques parce que le temps ne me permet pas d'être plus détaillé, mais je ne sais pas quelle est la tradition, il n'est pas exclu que vous m'interrompiez. Je saute les étapes tout de même et j'en arrive à la Troisième République. Il est frappant de constater que, plus exactement, il est remarquable que la Troisième République est assez souvent présentée comme l'âge d'or des juristes et surtout d'une sorte de mariage heureux entre le droit et la sociologie. On cite toujours, ou presque toujours, comme exemple extraordinairement typique de ce mariage heureux entre le droit et la sociologie, la complicité, l'extraordinaire complicité entre Duguay et Durkheim, professeurs tous les deux dans la même ville et utilisant tous les deux les mêmes concepts et les mêmes catégories, influencés l'un par l'autre. On peut aussi citer l'exemple, on cite aussi souvent l'exemple d'Oriot et de Tarde. Or, on pourrait aussi citer de multiples autres exemples. Je pense, est-ce que c'est de l'objectivité, cela ? C'est plus exactement l'acceptation par le juriste Duguay ou l'acceptation par le juriste Oriot ou l'acceptation par beaucoup d'autres juristes que la vérité est en partie de son côté et en partie ailleurs. Et je serais d'avis de dire que, au lieu de parler de complicité, au lieu de parler d'harmonie entre ces deux auteurs ou entre ces différents couples d'auteurs, il vaudrait mieux dire que pendant cette période qui va en gros de 1880-90 jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à 1914, les vrais juristes sont les sociologues. La Troisième République, c'est la République, c'est le régime politique dans lequel il faudrait s'interroger sur les raisons de ce phénomène, ce qui a été peu souvent signalé, parce que je crois que c'est l'inverse qu'on dit généralement, je crois pouvoir le dire, c'est le régime dans lequel les vrais juristes, ce sont les sociologues. Il n'est que de voir la thèse de relire la thèse de Durkheim, où il n'est question que de droit.
Il n'est que de se souvenir de l'ouvrage majeur de Tarde que l'on redécouvre maintenant, après des décennies d'oubli, qui s'appelle, si je ne m'abuse, les transformations du droit. Tous ces sociologues s'interrogent sur le droit parce que pour eux, comme l'a dit, dans une formule qui également n'est pas une métaphore, mais qui dans son esprit est une traduction de ce qui est le droit, et le système Durkheim, là, je viens de parler de Durkheim, Durkheim nous dit que le droit est le système cérébro-spinal de la société. Plus personne n'oserait dire une chose pareille aujourd'hui, mais il est convaincu, on le dirait peut-être dans des termes plus, des termes plus mesurés, on dirait le droit est la forme de la société. Mais système cérébro-spinal, ça veut dire qu'il y a une raison juridique et que le rôle du juriste est de découvrir cette raison juridique. Alors je serais tenté de dire, je n'aime pas tellement Duguit, je préfère Auriou, ne serait-ce que je l'ai découvert récemment en relisant un des derniers numéros de la revue du droit public, alors que Duguit était encensé de son temps, Auriou était littéralement persécuté par la doctrine de son temps, ce qui le rend somme toute assez sympathique. Mais je crois que Duguit est à la remorque de Durkheim, et qu'en revanche, Auriou, j'exagère un tout petit peu, mais il me semble qu'Auriou est le seul juriste de la Troisième République à avoir forgé un outil méthodologique. Certes, il ne l'a pas inventé, il a été le chercher chez cet autre grand sociologue qui s'appelle Marcel Mauss, et éventuellement aussi chez Durkheim, l'outil institution, afin de décrypter la réalité juridique. Alors je crois que cette sorte d'hégémonie des sociologues, ce n'est pas d'une harmonie qu'il s'agit, mais d'une hégémonie des sociologues, doit être soulignée. Je crois aussi qu'elle correspond à ce qu'on pourrait appeler la République heureuse, la République des républicains, et qu'elle correspond aussi, explication tout à fait sommaire, tout à fait ridiculement simpliste, elle correspond à une sorte d'unanimisme des auteurs de cette époque sur ce que doit être le droit, sur ce que doit être le droit d'une société normalement organisée. Il n'y a pas, si, il y a Emmanuel Lévy, il y a des auteurs qui contestent à la gauche, mais il n'y a guère de contestation fondamentale de l'économie du système juridique. Puis, alors, j'en suis toujours, j'espère que vous me suivez, j'en suis toujours à mes facteurs historiques et j'en suis toujours à vous retracer la petite histoire de l'idée d'objectivité. L'objectivité, là, est une objectivité, en quelque sorte, construite par l'adhésion implicite de tous ces juristes, sociologues ou sociologues juristes à ce que doit être une société bien, entre guillemets, policée, pas de contestation. Et puis vient, alors je ne dirais pas la grande transformation, parce que ce serait emprunté dans un autre sens que celui qui lui a donné la terminologie de Polanyi, non, puis vient les années qui précèdent immédiatement la guerre et la guerre de 1914. Alors évidemment, c'est un peu simple de dire que la guerre de 1914 ouvre une période nouvelle, mais je crois pourtant que c'est vrai. Et je renvoie encore une fois à cet article d'Armel Ledivlec dans l'avant-dernier numéro de la revue du droit public, où il retrace l'histoire de la revue du droit public. Vous savez que cette revue est la très belle revue, qui est pratiquement née en même temps que l'affaire Dreyfus. Et il rappelle, enfin, il m'a rappelé, parce que je ne le savais pas, il a rappelé que la série des notes de jurisprudence, que non, que je n'ai pas encore prononcé pour le moment, mais qui doit venir dans ce discours historique, parce qu'il me semble que ce nom est fondamental. Gaston Gèze. La série des notes de jurisprudence de Gaston Gèze est inaugurée en 1914. Et dans le texte que Gaston Gèze écrit à cette occasion, il dit ce qu'il a dit en maintes et maintes circonstances.
à savoir que le droit pour lui, c'est le droit qui est effectivement en vigueur, que le rôle de la théorie, oui, la théorie existe, mais le rôle de la théorie, c'est d'aider les praticiens, c'est de servir les praticiens du droit. Je, lisant cela pour préparer ce modeste propos, qui, encore une fois, m'a posé beaucoup de problèmes, lisant cela, je me suis surpris à déboulonner une idole. Pour moi, Gèze était un grand juriste. C'est un grand juriste. Vous savez que Gèze a défendu le Négus, Saïl et Sélassié au moment de l'invasion de l'Éthiopie par les troupes de Mussolini. C'était un homme de gauche, si l'on peut dire des choses aussi vulgaires. Gèze était un juriste de gauche. Bon. Le premier juriste, d'après ce que je me souviens aussi, avoir osé faire cour sans toge, ce qui était à l'époque. Donc on peut être de gauche et progressiste, ce qui n'est pas un pléonasme, et avoir sur le droit des idées extraordinairement réactionnaires. À propos, alors, Gèze est le grand persécuteur de Maurice Oriot, et c'est lui qui, à propos de la gestion administrative, je répète encore une fois ce que contient cet article, à ce mot. Est-ce que la gestion administrative, vous savez, cet ouvrage que Maurice Oriot a écrit pour éclaircir l'épineuse question, comme on dit pudiquement, des rapports entre les actes d'autorité et les actes de gestion qui constituaient le pont aux armes du droit administratif dans ces années-là, est-ce que pour autant, la question ne sera éclaircie? Pas du tout, dit Gaston Gèze, parce que le discours d'Oriot est boursouflé. Il appelait boursouflure tout ce qui n'est pas une retranscription, une reproduction intégrale du droit. Le rôle du juriste doit être celui du porte-plume du législateur. Alors, il me semble que Gèze, il y a deux grands juristes dans le monde, dans notre petit monde français, deux grands juristes qui, à ma connaissance, n'ont pas eu leur thèse, leur monographie. Georges Ripert, là on comprend pourquoi, vu le passé sulfureux. Si on a le temps, je parlerai de Ripert tout à l'heure, parce que c'est un auteur que j'aime bien. Il est à lui tout seul l'image même des contradictions du juriste. Il y a Gaston Gèze. Et Gaston Gèze inaugure, me semble-t-il, dans ces années 1914, ce que j'appelle, alors, appelons ça la troisième période, c'est-à-dire la période pendant laquelle les juristes, après s'être mis à l'écoute respectueuse et condescendante de la sociologie, se referment sur eux-mêmes et s'enferment dans une maison de verre, une véritable. En regardant dehors ce qui se passe et en s'efforçant de se mettre, le verre peu protégé parfois, à l'abri de toutes les intempéries possibles, c'est-à-dire du fait des crises, de la sociologie, le droit se referme sur lui-même. C'est une des énigmes les plus, sans doute les plus inexplicables de l'histoire de ce problème, parce que la France est le seul pays où cela se soit produit. Je veux dire qu'après avoir connu un extraordinaire épanouissement, la science juridique s'est littéralement recroquevillée sur elle-même pendant des décennies. Je ne dis pas que la revue de droit public a été l'unique vecteur de cette fermeture, mais elle a été l'un des vecteurs. Alors ce mouvement de fermeture a évidemment été accentué, histoire politique de nouveau, et là nous rejoignons l'histoire européenne, ce mouvement de fermeture a été accentué par Vichy et par l'avant-Vichy. Inutile d'insister, j'évoquais Ripert, sur la compromission des juristes sous Vichy. Bon, j'ai eu la surprise récemment de constater que certains ignorent,
train de dire des choses. Tout le monde le sait, mais enfin, certains ignorent quand même que Ripert a été ministre de l'instruction publique sous Vichy, mais certains ignorent surtout que Georges Ripert, à l'époque où il s'occupait des agrégatifs avant la guerre, recommandait aux agrégatifs dans les années 1936-37 la lecture des théoriciens nazis, considérant que c'était une théorie susceptible d'intéresser le droit. Considérant donc que, les théoriciens de... que c'était quelque chose de parfaitement fréquentable. Il y aurait beaucoup à dire ici sur Carl Schmitt, je n'ai pas le temps de le faire. Carl Schmitt n'a pas toujours été un auteur, maudit en France. Cela a évidemment conduit cette compromission des juristes et l'absence pathétique de ces mêmes juristes au moment de la résistance. Il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. Tout cela a conduit à accentuer encore, au moment de la libération, ce mouvement de fermeture. Et là, j'attire votre attention sur un fait tout à fait intéressant. C'est qu'alors que l'Allemagne, au sortir de la guerre, connaît un mouvement de renaissance du droit naturel, ambigu, équivoque, parce que c'est une façon pour les juristes de se refaire une santé, avec des auteurs extrêmement... à la fois très connu à l'époque, mais en même temps très équivoque, comme Radbruch et d'autres, l'idée qu'il faut revenir aux valeurs, que le droit n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant, parce que personne ne sait ce que c'est que le droit au juste. Au même moment, la France, comme si la France avait quelque chose à se reprocher de plus que l'Allemagne, poursuit dans cette fermeture qui... ne cessera finalement... Alors, il serait tentant ici de parler des rapports entre le positivisme et l'objectivité, mais dire, comme le fait Gèze, que le droit, c'est l'ensemble des règles effectivement en vigueur à un moment donné, ça n'est pas de l'objectivité. Ça n'est pas de l'objectivité. Peut-être faudra-t-il que nous discutions de ça, si discussion il y a tout à l'heure, puisqu'il y a eu, comme vous le savez, une grande, une intéressante, une importante polémique il y a quelques années entre Daniel Lochak et Michel Tropper sur ce qu'il faut penser de ce qu'ont écrit les juristes français entre 1940 et 1944, à commencer par ceux d'entre eux qui ont ensuite eu une très belle carrière, à gauche, à droite, au centre ou ailleurs. Quel est le devoir du juriste? Quelle est sa mission dans une période critique, comme a été la période de la guerre? Doit-il s'abstenir ou son abstention peut-elle être excusée? Alors, il me semble, pour en terminer avec ce qui n'est finalement qu'une introduction, il me semble que le grand mouvement sur lequel je vais m'arrêter maintenant, de redécouverte du principe de l'objectivité, cela correspond, nostalgie des années 70, cela correspond aux années 70. C'est-à-dire au moment où paraissent en France un certain nombre de, avant ou après, un certain nombre de grands travaux de théorie du droit ou de... réflexion générale sur les rapports entre le droit et le fait. Je rappelle quand même un certain nombre de titres qui ont marqué mon enfance. La thèse d'Amzelek, qui, elle, est de 64. La thèse de Nikos Poulantzas, qui est de 68, mais qui paraîtra plus tard. La thèse de Michel Tropper, dans un autre genre, si j'ose dire. Il y a cette sorte de redécouverte de la réflexion général, et j'ajoute que cette redécouverte de la réflexion, je dis volontairement réflexion générale, pour ne pas dire réflexion théorique, cette redécouverte de la réflexion générale va de pair avec la découverte des juristes étrangers, qui jusque-là étaient singulièrement oubliés. Il ne faut quand même jamais oublier que la première traduction de Hart
dont je vais peut-être parler un peu, remonte aux années 70, qu'elle est due à un Belge, qu'elle n'est pas due à un Français, qu'il a fallu attendre encore plus longtemps, enfin vous me direz qu'il est son disciple, pour que Dworkin soit traduit, et mal du reste, à mon avis, en France. C'est à ce moment-là que se déroule, se révèle en France, quelque chose comme le moment où s'opère un début de rattrapage du temps perdu. Voilà, voilà. L'histoire de l'objectivité, c'est en réalité comment, en droit et en doctrine juridique, le temps perdu accumulé entre, thèse évidemment complètement discutable, 1914 et 1960, est-il en train d'être rattrapé? Alors, je suis, tel que vous me voyez, fatigué et vieillissant, le témoin vivant des difficultés que représente la question que je viens de poser. En quoi cela consiste-t-il? Alors, je ne sais pas si vous connaissez... puis-je me permettre de vous demander si vous vous sentez bien, et si ça va bien et... Bon. Les non-juristes, notamment. Oui, bon. Ça va. Peut-être que je vais oser quelque chose. Après l'affiche dont on m'a gratifié, je peux tout. Je ne vais pas vous citer une fable de La Fontaine. Je vais vous citer Gilles Deleuze, qui, à sa façon, est un conteur. Vous savez que Deleuze est un grand spécialiste de Leibniz, qui est un philosophe extraordinaire, parce qu'il intéresse tous les juristes et qu'il devrait intéresser beaucoup plus encore les juristes qu'ils ne le font, ces juristes, qui sont bien éloignés de lui. Et essayant d'expliquer à ses étudiants le sens du principe d'identité tel que Leibniz le voit, c'est-à-dire un principe constitutif de tout système de savoir possible, A égale A. Il dit à un moment donné, l'identité, c'est le cri de Leibniz. Le vrai philosophe, dit-il, le fond de ma pensée, c'est que le vrai juriste doit être un philosophe. Ne le répétez surtout à personne. Le vrai philosophe, dit juriste, c'est celui qui pousse des cris pour mieux se faire comprendre, et non pas celui qui enseigne les systèmes philosophiques comme on enseigne des recettes de cuisine. Et, dit-il, le principe d'identité, c'est le cri du philosophe. Eh bien, je serais tenté de dire que, pour nous autres juristes, cette idée de cri, évidemment, direz-vous, c'est pas très scientifique ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire est parfaitement transposable. Qu'est-ce que je vais dire par là? Puisque j'en suis à l'auto... J'ai parlé tout à l'heure de confidence ou d'auto-analyse. Une de mes premières émotions de juriste débutant a été, non pas la lecture de Hegel, rassurez-vous, mais la lecture de ce que Eric Weil, que j'ai connu il y a un certain temps déjà, écrivait sur Hegel. Et vous savez ce que Hegel dit des rapports entre l'État, le droit, etc. Il y a dans la lecture de certains philosophes, il y a dans la lecture de certains philosophes une source d'émotion. Et je crois que, seconde référence philosophique, là je suis dans l'annonce de plan, seconde référence philosophique que je redécouvrais récemment, c'est un philosophe qui finalement est aujourd'hui un petit peu oublié, mais qui a eu son heure de gloire, Karl Jaspers. Karl Jaspers est un grand homme. Oui, juriste, philosophe, chrétien, qui a
Je suis dans l'annonce de plan, mais je crois très profondément ce que je vais vous dire maintenant est la clé du problème. Karl Jaspers est un médecin, vous savez, d'origine. Il a écrit une psychopathologie générale où il explique ce que Dilthé avait expliqué avant lui sur la question de expliquer et comprendre la distinction, la séparation. Et Jaspers, dans un petit livre qui est une sorte de confession de fin de carrière, un peu comme cette conférence, quoi, qui s'appelle « Introduction à la philosophie », dit en substance que comprendre, c'est toujours séparer des objets particuliers. Et que dans l'acte par lequel nous essayons de comprendre, c'est-à-dire d'accéder à une certaine objectivité, qu'il s'agisse d'un corps vivant, d'un corps inanimé ou d'une règle de droit, car je crois qu'il n'y a pas de différence. Dans l'acte par lequel nous tentons d'accéder à une certaine objectivité, entre guillemets, et en soulignant le mot « une certaine », car nous n'atteignons jamais l'objectivité, il y a trois partenaires. Il y a le sujet pensant, qui ne peut jamais se penser lui-même comme sujet pensant. Il y a l'objet, qu'on ne peut jamais penser que comme un objet particulier, dit-il. Et puis, il y a ce qu'il appelle, mais c'est une traduction, probablement en allemand ça a une autre allure, l'englobant. L'englobant, c'est ce qui fait que je peux penser l'objet tout en pensant moi-même, et comme il est chrétien, pour lui, l'englobant, c'est Dieu. Bon. Mettons Dieu de côté, si je puis me permettre, et considérons que le droit, à certains égards, peut être assimilé à cet englobant. Je veux dire que lorsque nous observons ou que nous croyons observer une institution, en vérité, nous n'observons jamais rien. Nous réfléchissons, nous essayons de comprendre, au sens de Dilthé, ce que veut dire cette institution. Lorsque nous essayons de comprendre ce que veut dire l'institution famille ou l'institution propriété ou l'institution État, nous sommes nécessairement contraints de relier, non pas de séparer, mais de relier cette institution avec d'autres institutions, avec d'autres réalités. Autrement dit, contrairement à ce que sous-entendait Karl Jaspers dans un premier temps de son raisonnement, comprendre, c'est réunir. Et l'appréhension de l'objectivité suppose que nous tombions la veste, chose d'ailleurs que j'aurais bien envie de faire en ce moment, que nous tombions la veste du juriste, que nous tombions la veste du sociologue et que nous tâchions de pratiquer une sorte de strabisme épistémologique en allant chercher partout de quoi nourrir notre réflexion. Alors j'en viens, il est quand même 6h15, au vif du sujet. Comment faire pour procéder à cette opération de rassemblement sans tomber dans le supermarché, sans tomber dans ce que j'appellerais la kleptomanie du savoir, c'est-à-dire on va piquer les concepts du sociologue, on va piquer les concepts. C'est ça ce que faisait en toute bonne foi et en toute bonne conscience, c'est ça ce que faisait Duguay. Il piquait les concepts qui lui étaient utiles et il laissait tomber les autres. Comment faire ? Alors je crois que pour faire cela, il faut surmonter un certain nombre, pour donc surmonter ce stade kleptomaniaque de l'interdisciplinarité, il faut surmonter un certain nombre d'obstacles et que, comme disait un grand Premier ministre de la Troisième République, de la Cinquième République, la pente est rude, mais je ne sais plus ce que disait ce brave Raffarin, la pente est rude, mais elle vaut la peine d'être gravie. Alors, je vous propose ces deux remarques qui ne seront pas deux parties, mais qui seront deux remarques.
La pente est rude, mais elle vaut la peine d'être gravie. Alors, la pente est rude parce que nous avons deux obstacles épistémologiques, deux petites choses qui nous embêtent un peu et qui font que celui qui vous parle en ce moment a passé une bonne partie de sa vie à prôner l'interdisciplinarité, par exemple, en sachant très bien que c'était un mot qui ne suffisait pas. Alors je crois qu'il y a deux mots, il y a des recettes, des préceptes méthodologiques, dont on sait qu'ils recouvrent un impératif absolu, enfin du moins certains le pensent, mais dont on sait en même temps qu'ils sont insuffisants. Le premier, c'est le mot « interdisciplinarité ». Ce mot « interdisciplinarité » est un mot piège, parce qu'il renvoie justement à ce que j'appelais tout à l'heure la kleptomanie, il renvoie aussi à une conception extrêmement hégémonique du droit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est toujours les années 70, un ouvrage qui est apparu en 1973 sous la direction de Léon Husson. Les jeunes chercheurs ne le connaissent peut-être pas, mais c'est une sorte de manifeste de l'interdisciplinarité en pleine période d'ébullition du savoir juridique. Ça s'appelle le droit, les sciences humaines et la philosophie. Et c'est, dit Léon Husson, j'ai les textes, mais je ne vais pas les lire, dans une introduction qui vaut son pesant d'or, c'est une façon de mesurer ce que la philosophie peut apporter au droit, ce que la sociologie peut apporter au droit, ce que la psychologie peut apporter au droit. Autrement dit, le droit est là en posture de demandeur et il interroge les sciences sur ce que chacune d'entre elles est en mesure de lui apporter. Et Jean Carbonnier, à qui on doit d'avoir pratiquement introduit la sociologie juridique en France, mais vous savez bien que ce fut... non pas sans lendemain, mais enfin, on ne peut pas dire que la sociologie juridique ait une grande importance dans les facultés de droit. Jean Carbonnier a cette conception. Il faut rendre hommage à Carbonnier, qui était un pionnier, avec d'autres, avec Duverger. Ils ont ouvert les portes. Ils l'ont fait avec beaucoup de maladresse. Qui suis-je pour dire ça? Quelqu'un qui était étudiant au moment où Carbonnier et Duverger ont précisément ouvert ses portes et qui leur est reconnaissant. Mais Carbonnier parlait de la sociologie comme d'une science auxiliaire. La sociologie n'est pas une science auxiliaire. Il faut pratiquer ce que Bruno Latour, encore une fois, appelle l'internalisme, mais que Gwenaëlle Galvez appelle le constructivisme, c'est-à-dire qu'il faut construire l'objet, il faut le construire en essayant de prendre conscience de ce qu'Alexandre Viala nous rappelait il y a quelques mois au moment du colloque sur le positivisme, que le droit est une réalité qui se construit en même temps qu'elle se pense. Et qu'on ne peut pas dissocier l'acte par lequel nous pensons le droit de l'acte par lequel le droit se construit. Le droit se construit en nous comme il se construit ailleurs que chez nous. Et Louis Assier-Andrieux, qui est un anthropologue du droit, qui a qu'on redécouvre de manière tardive, Louis Assier-Andrieux explique ça en disant que le droit est un système naturellement autoréférentiel, c'est-à-dire que le droit est quelque chose. Vous me direz que c'est la même chose pour la chimie, mais quand même moins, sauf quand il y a des bactéries un peu perverses qui nous interpellent. Mais le droit est quelque chose qui nous interroge, qui nous parle, et qui a quelque chose à nous dire de lui-même et de nous-mêmes. Comment voulez-vous être objectif avec quelque chose qui vous parle de vous? Ça devient une impossibilité. Donc, il faut jouer le jeu de cette autoréférence permanente. Et ce n'est pas facile. C'est un premier obstacle. Alors,
Je dirai tout à l'heure comment ça vaut la peine. Je crois que tout le monde sait comment résoudre cet obstacle, mais il y en a un autre. L'obstacle, c'est de rompre, me semble-t-il, avec une autre fausse alternative, celle qui a été inventée par Hart, juriste anglais, je le répète. S'il faut présenter Hart, il faut dire que ce n'est pas le père de l'école analytique, c'est surtout un juriste anglais. Bon. Je dis beaucoup d'âneries, mais enfin, celle-là me semble pas une ânerie. Et je crois vraiment que Hart, lorsqu'il oppose, comme vous le savez sans doute, je m'excuse d'être aussi peu pédagogue, mais enfin, Hart explique en gros qu'il y a deux manières d'appréhender la chose juridique. Il résout le problème de l'autoréférentialité du juridique en disant de deux choses l'une, ou bien nous voyons ça d'un œil désintéressé, de l'extérieur, ou bien nous le voyons d'un point de vue interne, et dit-il de manière presque caricaturale, parce que vu, dit comme ça, ça a l'air d'être une vaste plaisanterie, le mieux, c'est le juste milieu, la voie moyenne, le point de vue externe modéré. Mais quand on dit ça, c'est-à-dire quand on présente Hart comme un juriste du juste milieu, ce qui est, je dois le dire avec Dieu sait, enfin, revoici Dieu, qui fait ça, la deuxième apparition dans cette conférence, mais Dieu sait que j'ai la plus grande admiration pour François Host et Michel van de Kerckhove, mais ils ont tendance à annexer Hart à cette sorte de philosophie du milieu. Je ne suis pas, moi, du tout pour cette interprétation. Je pense, j'ai l'air idiot en disant ça, parce qu'il est bientôt l'heure des questions, mais je crois qu'il faut penser cela de façon dynamique et que Hart n'a jamais voulu parler de philosophie juste milieu. Il a simplement attiré l'attention du juriste sur cet extraordinaire mystère du droit. Il y a une autre page de Hart qui peut-être est beaucoup moins connue. Vous savez qu'il y a deux pages de Hart qui sont parmi les plus connues. L'une est au tout début du concept de droit, dans lequel il dit une chose qui m'a longtemps plu et qui me plaît beaucoup moins maintenant. En gros, que la différence entre le juriste et le chimiste, c'est que le chimiste, ça ne lui vient pas à l'esprit de définir la vie, ni au physicien de définir la matière, alors que le juriste ne cesse, au contraire, de se poser la question de qu'est-ce que le droit ? Je crois que c'est tout l'inverse qui est vrai. C'est tout l'inverse qui est vrai, vous qui êtes peut-être des physiciens ou des chimistes. Je crois que les physiciens ne cessent de se poser la question de ce qu'est la matière, que les chimistes ne cessent de se poser la question de ce qu'est la vie, mais qu'un juriste peut dormir sur ses deux oreilles sans même s'être interrogé une seule fois dans sa vie sur ce qu'est le droit. Le propre du droit, c'est que c'est une science qui peut se passer d'une définition de son objet. Et que tout ce que je vous raconte là, et auquel vous me faites l'amitié de prêter une oreille peut-être un peu distraite maintenant, mais tout ce que je vous raconte là, c'est de l'ordre de l'acte parfaitement inutile, de l'acte même pas gratuit, de l'acte, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Comme me l'a dit d'ailleurs un aimable collègue il y a peu dans la faculté que, comme Alexandre l'a rappelé, je fréquente. Alors, je crois qu'il faut se débarrasser du point de vue de cette séparation qui, à mes yeux, la deuxième citation que j'aurais voulu, j'aimerais quand même attirer votre attention là-dessus, c'est ce passage dans lequel Hart fait allusion à ce procès qui se déroule en Grande-Bretagne en 1944 pour sorcellerie en application d'une loi de 1740 et quelque chose. Et dit Hart, voilà le mystère du droit. Le mystère du droit, c'est qu'il est permanent. Il est à la fois permanent et contingent. Alors, on revient peut-être à Leibniz, mais ce n'est pas le moment vraiment de revenir à Leibniz à cette heure-ci. Mais le droit, c'est ça. C'est la contingence de la nécessité et la nécessité de la contingence. En tout cas, c'est les deux à la fois. Bon, bien. Alors, tout ça nous conduit. Alors, j'en suis toujours à la pente rude. C'est très rude, je le sais. Mais tout ça nous conduit à supprimer les barrières entre les savoirs. Peut-être connaissez-vous
Chomsky, Noam Chomsky, qui est cet esprit extraordinaire qui est linguiste, philosophe, qui est à peu près tout, et qui, un jour, alors qu'on lui demandait son point de vue sur le positivisme, faisait une distinction entre ce qu'il appelle le positivisme de propagande et le positivisme universel. Universel, ce n'est pas de Chomsky, c'est de moi. C'est donc sujet à caution. Le positivisme de propagande, c'est celui dont se réclame Gèze. C'est-à-dire cette espèce de croyance erronée dans la capacité de n'importe quel savant, qu'il s'agisse d'un juriste ou qu'il s'agisse d'un biologiste, à accéder au réel. Le savant n'est pas une divinité. Seul Dieu peut accéder au réel. Troisième occurrence. Le savant n'est pas Dieu. Et puis, il y a l'exigence rationnelle, ce qu'il appelle l'exigence rationnelle, qui fait que quel que soit le problème dont on se saisit, fût-il éminemment peu scientifique, par exemple, la question de la démocratie. Bon. Évidemment que s'interroger sur la démocratie, ce n'est pas un sujet, la démocratie n'est pas quelque chose auquel on puisse appliquer une démarche de type scientifique. Mais cependant, dit Chomsky, assurément la démocratie n'est pas une construction objective. On ne peut pas ramener la démocratie à des techniques ou à une technologie. Cependant, même si on définit la démocratie en termes très généraux comme un horizon, une perspective, ainsi qu'il a été fait dans un excellent ouvrage dont on va bientôt fêter les 20 ans, eh bien, il faut se mettre d'accord de manière un tantinet rationnelle sur la manière d'atteindre ces objectifs. Autrement dit, même les penseurs apparemment les plus détachés du positivisme doivent se montrer positivistes, pas au sens du positivisme propagande, mais au sens d'une exigence rationnelle de définition des objectifs que l'on sait à soi-même assigner. Ça, c'est le positivisme universel. Ben, c'est plus le positivisme, c'est une sorte de... Oui, c'est une sorte de raison pratique, à la manière de Leibniz. La pente est rude, mais le chemin, tout escarpé qu'il soit, peut et doit être, me semble-t-il, peut être franchi. Je crois que il peut l'être à deux conditions. La première est subjective. Je crois que le savant qui est sur la voie de l'objectivité au sens où je ne l'ai pas définie, parce qu'elle est indéfinissable, est un savant heureux. Oui, le bonheur. Le bonheur dans la recherche. Il faudrait faire une réflexion là-dessus. Searle, qui est ce grand épistémologue anglais, américano-anglais, écrivait récemment la redécouverte. J'essaie de me lire et je n'y arrive pas. Il écrivait récemment à quel point pour lui, pour un savant relevant des sciences dites dures, le subjectif est important dans la recherche. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Ça vaut pour les centres de recherche, ça vaut pour n'importe quelle matière. Un centre de recherche dans lequel il n'y a pas de passion est un centre mort. Un savant qui fait de la recherche pour... Vous me direz qu'il faut vivre, il faut manger, certes. Enfin, un savant qui fait de la recherche comme ça, pour gagner de l'argent, est un savant mort. La passion comme condition de la recherche. Ça, j'y suis absolument convaincu. Je vais bientôt rendre l'âme, mais je suis convaincu de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le discours des métaphysiques de Leibniz. Ça commence par une petite note disant « Un jour que je me trouvais quelque part
à ne rien faire pendant 8 jours, j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce petit discours dans lequel j'ai rassemblé la plupart des éléments de mon système. Bon, voilà. On ne peut dire ça, on ne peut faire ça que quand on est soi-même le système en question, le cri. Quand on est le système que l'on construit. Donc il n'y a pas d'objectivité, là. Et pourquoi les juristes seraient-ils absents de ce banquet-là? Pourquoi les juristes seraient-ils les seuls savants à devoir rester absolument froids, de marbre, devant leur objet, comme Maurice Duverger, que j'aime bien, enfin quand même, était froid et de marbre lorsqu'il a rédigé ce fameux article qu'il a traîné toute sa vie comme une casserole sur les lois antisémites de Vichy, commentant ces lois comme s'il s'agissait de la dernière réforme du régime des concessions d'endigage ou de la procédure administrative contentieuse. Donc, la passion. La seconde condition, c'est, et j'ai fini, le collectif. Pas l'interdisciplinarité, mais la prise de conscience de ce fait que... Oui, parce qu'elle est écrite, ma conférence, quand même. La prise de conscience de ce fait que, comme le disait Raymond Aron, je vous renvoie à ce petit bijou de réflexion épistémologique qu'est l'avant-propos de Raymond Aron au livre archi-connu de Max Weber, Le savant et le politique. C'est un petit chef-d'œuvre, ce petit livre. Le livre en question en est un, mais surtout les conclusions qu'en tire Raymond Aron. Le chercheur n'est pas un homme seul. Séparé par les frontières, dispersé à travers la planète, le mathématicien, le physicien, le biologiste sont tenus, il devrait ajouter le juriste, sont tenus ensemble par les liens invisibles et puissants d'une communauté de recherche, de règles intellectuelles informulées, mais obligatoires. Les problèmes à résoudre leur sont fournis par l'état d'avancement des sciences, une conception implicite et quasi spontanée de ce qu'est une vérité les amène à écarter tel type de solution, à accepter les critiques réciproques, à s'enrichir par les échanges. Or, je constate avec joie que Raymond Aron dit la vérité, c'est-à-dire qu'il définit l'objectivité comme une recherche permanente, qu'il le fait, comme vous le savez depuis le début, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais je le dis à la fin, la thèse de Raymond Aron s'intitule « Introduction à une philosophie de l'histoire » et les sous-titrer « Discours sur l'objectivité dans les sciences sociales ». Elle date de 1933 ou 34 et elle est une démonstration que l'histoire est incapable d'accéder à une objectivité de propagande, comme dirait Chomsky, mais qu'elle est, comme le droit, assurément capable d'accéder à une rationalité ou une objectivité de la raison. La fable de La Fontaine, qui a servi de... dont je me suis un peu éloigné, quand même, qui a servi de thème, l'affiche m'a conduit à me rapprocher de La Fontaine. J'ai découvert, je ne sais plus dans quelle fable, La Fontaine dit quelque chose comme « La dispute a ça de bien qu'elle empêche de s'endormir ». J'espère que je ne vous aurai pas endormi. Je tenais absolument à dire ça à la fin. Il est un petit peu plus que le temps qui m'était imparti. Je vais donc m'arrêter et m'excuser auprès de vous pour ces égarements.